Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, tirage au sort pour gagner une semaine à Dubaï chez moi. Donc j'ai lancé un petit jeu concours sur un délire. Je crois que c'était fin septembre, début octobre. L'idée était de voir la vidéo, marquer fait, aimer la page. Et voilà. Et que les personnes qui faisaient ça pouvaient gagner une semaine à Dubaï en mars ou avril. Chez moi, dans ma maison, dans The Palm, vous verrez, face à la marina, il est prévu des trucs de fou. Si vous aimez le saut en parachute, ben, il y aura du saut en parachute, balade en montgolfière. On ira passer une journée en jet ski à Abu Dhabi, et là il y a des dauphins par moment, il y a 100 îles, c'est paradisiaque. On ira faire les cons dans le désert en buggy. On va s'amuser, on va se régaler. Donc aujourd'hui, on va faire le tirage au sort. Je suis pas à Dubaï actuellement, je suis en France parce que je dois faire 5 chantiers avant de repartir là-bas. Là, je suis venu samedi dimanche sur un chantier à Perpignan à côté. Donc vous voyez derrière moi, on est chez Florian et à côté, on sera chez Raphaël. Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, tirage au sort pour gagner une semaine à Dubaï chez moi. Donc j'ai lancé un petit jeu concours sur un délire. Je crois que c'était fin septembre, début octobre. L'idée était de voir la vidéo, marquer fait, aimer la page. Et voilà. Et que les personnes. Et hier, alors c'était pas prévu, il y avait un tas de choses de prévues. Hier, j'ai eu la personne qui s'occupe de faire le saut en parachute. Et des personnes qui ont joué au jeu. Il y en a à peu près 500. Et hier, alors c'était pas prévu, il y avait un tas de choses de prévues. Hier, j'ai eu la personne qui s'occupe de faire le saut en parachute au-dessus de The Palm. Ça, c'est grandiose. Les gens viennent du monde entier pour faire ça. Et elle m'a offert deux sauts. Donc, si les personnes veulent sauter en parachute, eh bien, elles pourront sauter au-dessus de The Palm. Allez, là, on les laisse travailler. Donc, je vous explique ici. Il y aura une piscine là et la piscine chez les voisins. Et ce qui est fort, c'est que complètement transparent. C'est important pour moi. Voilà. Là, l'ordinateur. Ça va, monsieur Yacine? Donc, là, c'est le fichier. Je ne sais pas si vous le voyez. Des personnes qui ont joué au jeu. Il y en a à peu près 500. Donc pour vous montrer que c'est totalement transparent, c'est l'ordinateur qui va choisir. Donc là, je prends le premier. Ah, tac. Merde, je sais pas comment on fait. Fabuleux. Est-ce que j'ai besoin en fait des deux mains? Attendez, j'ai besoin des deux mains. Donc là, je prends toutes les personnes qui ont participé. Je pense qu'avec ça, ça va aller. Voilà. Contrôle C, je les copie. Donc là, vous voyez, il y a tout. Là, il peut, c'est vraiment. Voilà. J'ai copié toute la base. Une fois que j'ai copié toute la base, donc ça, c'est sur Internet, vous pourrez regarder. C'est spécial tirage au sort. Ici, je colle la base. Voilà. Voilà. Donc là, comme j'ai dit, je vais en tirer trois au sort. Donc le premier va être le gagnant. Par contre, il y avait quand même des conditions. Résident en France avec le passeport pour le visa. Etc. Que ça soit un vrai compte Facebook, pas de fake. Donc si la personne ne correspond pas, eh bien, je prendrai personne 2, personne 3. Donc c'est parti. Tirage au sort là et je crois qu'on verra le résultat par là. Alors, c'est où? T'attends. Tirage au sort. Pam.
Allez, il y a le nom, il y a le nom. Alors, regardez, c'est Bara Odile qui va gagner le voyage à Dubaï. Bara Odile. Donc là, je ne connais absolument pas, je ne sais pas qui c'est, donc ça va être totale découverte. Super Odile. Donc je vais te recevoir à la maison. Je vais contrôler que tout est bon au niveau de ton inscription, de tout, que ça correspond à. Que ça correspond au règlement. Donc ça c'est Odile. Je vais en tirer deux autres après. C'est une Monaco 80. Attendez, pardon, parce qu'ils ne savent pas la piscine et qu'ils sont en train de terrasser. Donc un autre. Ça c'est au cas où Odile, ça ne correspond pas. Tac. Donc là c'est Alicia Rondelot Pélisse en numéro 2. Si Odile, ça ne correspond pas. Et un numéro 3, si les deux premiers. Mais bon, je pensais que là, ça va être. On sait jamais. Hein. Tirage au sort. Emmanuel Perrin. Un numéro 3. Voilà. Donc là, il y a les noms. Je vais rentrer en contact avec eux. Hop. Ça y est. Donc, le tirage au sort fait. Je vais rentrer en contact avec les gagnants. Sur place à Dubaï, il va y avoir un studio, vous allez voir, ça va être un truc top. On fera un gros reportage avec les gagnants, parce que ça va être vraiment une super semaine. Voilà, je languis de vous montrer, parce que même moi, je vais m'amuser autant qu'eux. On va refaire des concours un petit peu comme ça. Là, on va en lancer un. Je fais gagner une semaine au Cap d'Agde, dans un camping privé sur la plage, qui s'appelle le Beach House. C'est fabuleux, en partenariat avec les Sables d'Or. Donc on refera un petit jeu là, je pense, la semaine prochaine, qui va durer 5 semaines. Après, et c'est très 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 sympa aussi. Donc je vous dis bye bye. Donc Odile, je vais t'appeler et bienvenue chez moi. Je trouve ça délirant en fait, je ne sais même pas qui c'est. C'est super. Donc je vous dis à très bientôt. Nous, on va finir le chantier. La cliente Anaïs est arrivée. Elle nous a amené à manger. Florian est là. Je sais pas, vous le voyez, Florian? Ça va, Florian? Voilà. Je sais pas si vous le voyez. Ah, ça, c'est le client. Et puis, voilà. Je vous dis à très, très bientôt. Je vais appeler Odile. Ah, j'espère que tout est bon. Bye bye. Ciao, ciao.